milliers tombent. Allez, recevez maintenant la libération. Recevez l'onction de Dieu. Que ceux qui étaient liés soient déliés. Que ceux qui étaient enchaînés soient déchaînés. Dans le nom puissant de Jésus, levez les mains au ciel. Le ciel est ouvert ce matin en ce lieu. Le ciel est ouvert ce matin en ce lieu. Le Dieu de ta vie s'est levé pour faire des choses nouvelles. Pour faire des choses nouvelles. Entre dans la nouvelle saison, maman. Ton Dieu ne t'a pas gardé jusqu'aujourd'hui pour rien. Je réveille ceux qui dormaient en toi. Et ceux qui étaient morts ressuscitent. Mais pourquoi qui est ce quoi? Oh yes, que ça tombe dans le vent puissant de Dieu. Je prie ce sera. Que ça tombe dans le nom de Jésus. Que l'onction brise les jeux. Que la voile tombe. Que la voile soit déchirée. Au nom de Jésus. Seigneur, ôte cette voile. Ôte cette voile. Et que ta gloire paraisse. Que l'Éternel guérisse ta santé. Et guérisse tes mains. Que désormais de tes mains, tu vives la gloire de Dieu, la restauration divine, la restauration de ta santé, de ta vie, de tes enfants. À la maison, tu peux lire à partir du premier verset ou du deuxième jusqu'à la fin, c'est-à-dire au verset 18. Mais moi, je commence à partir du verset 12 pour gagner du temps. Je lis au nom du Seigneur. Ainsi, la gloire agit en nous et la vie agit en vous. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, qui dit « J'écris, c'est pourquoi j'ai parlé », nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ nous ressuscitera aussi avec Jésus. Et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous. Afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Par notre chère affliction du moment présent, produise pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur qui peut écrire. Psaume 34, verset 20. Le matin souvent les justes, et l'Éternel en délivre toujours. Les termes de ce matin, c'est car nos légères
affliction, du moment présent, produise pour nous un poids éternel de gloire. Les afflictions présentes. C'est-à-dire les afflictions passagères. Bien-aimé, je vous dis toujours, celui qui ne rencontre pas les diables marche avec lui. Celui qui ne rencontre pas les voleurs, c'est qu'il soit voleur, soit le complice du voleur. Celui qui ne rencontre pas les destructeurs, soit celui des destructeurs, soit le complice du destructeur. Quand un homme se décide, pour dire l'apôtre Paul, quand un homme se décide dans sa vie d'abandonner les choses honteuses qui se font dans les secrets, c'est-à-dire de ne plus avoir une double vie, quand un homme prend une décision de marcher dans la voiture, de publier la vérité, le monde des ténèbres tombe. Quand un homme dit l'apôtre Paul, dans le même chapitre 4, verset 4, il dit ceci: quand un homme se décide de rejeter le mal, de rejeter les choses honteuses, qui sont d'autres personnes, même s'il refuse une conduite anxieuse, une mauvaise conduite, une conduite astucieuse, c'est-à-dire l'homme se met à la disposition de Dieu, et Dieu va se prendre. Le monde des ténèbres tremble. Le monde des ténèbres ne tremble pas quand tu es engagé dans une entreprise. Le monde des ténèbres ne tremble pas quand tu es marié. Le monde des ténèbres est en tremblement si tu te décides de marcher dans la voiture, de sortir des chemins détournés. Quand tu te décides d'avoir une bonne conscience, c'est ce que l'apôtre dit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ni au verset ni au même chapitre, il commence par là. Il commence par dire: il attire l'attention des Corinthiens. La Corinthe était une ville mythique, une ville de mélange, une ville commerciale. Les choses venaient de partout. Les choses faisaient des commerces. Les gens priaient plusieurs dieux. Que malgré tous ces sectes, malgré toutes ces églises, malgré tous ces pasteurs, malgré tous ces prophètes, le diable n'est pas inquiété. Si dans ta vie le diable ne s'inquiète pas, fais attention. Sois tu es son complice. Soit il passe par toi. Beaucoup de enfants de Dieu, soit eux-mêmes ne sont pas sorciers, mais ils sont les portes les plus faciles de la sorcellerie. On parle de la sorcellerie consciente et inconsciente. Le problème, quand tu arrives quelque part, dans ma communauté,
Lui-même est conscient. Il remarque que comme si le malheur s'acharne sur lui. Les hommes se disent même ce sont des choses anormales. Ce sont des symptômes, des signes, des repères qui doivent te prouver. Soit si le diable est diable, soit que le diable t'utilise. Et ça, ma cambo, c'est que les coyens, ils s'apportent, ils en ont eu un test. On a dit à la boule, topé. Parce que ça ne t'atteint pas. Peut-être possible, bah, mais par quoi ça atteint les hommes? Parce que c'est un homme possible, bah, ma soussou. Ce n'est pas que toi tu es frappé par ces malheurs. Et lui, il y a des gens, mais tant qu'il n'a pas si loin là. Parce qu'il y a le canal le plus facile. Donc, à l'un d'autre, il y a des gens qui ont été atteints les hommes. Pour être ma main comme la ma soussou. C'était dans cette confusion que vivait la ville de Corinthe. Et là, il y a mon boulot, il y a mon boulot. L'église ne doit pas être ici. L'église, c'est bien dit pour nous. L'église ne doit pas être un centre de sorciers. L'église, c'est bien dit pour nous. Un centre de choses qui paralysent les autres. Il faut que la loi accompagne ma soucie. L'église doit être un rassemblement. Et c'est bien dans mon sens. Les gens qui se sont décidés. Il dit non, ce que je trouve ici n'est pas acceptable. Et quand il dit quand on fait prier la flamme de l'évangile, Dieu dit, Zabalami, la lumière brillera pour les congéra du sang des ténèbres. La scène chrétien, tu es une lumière. Mon Christ, on a dit pour les. Une petite lumière pour les amoureux chasse le plus grand ténèbre. Et pour les canaries, tout mon aide. N'aie pas peur du ténèbre. Combat la terre, mon aide. Parce que tu es la lumière. Pour être dans les poules. Une tige d'allumette. Moi, tu étais dans l'allumette. Dans un forêt. Dans la tête de la samba. De chasser. Un grand ténèbre. Il suffit de l'enflammer. Pour repousser les ténèbres. Et apercevoir ce que tu ne voyais pas. Chrétien, tu es lumière. Mon Christ, vous allez parler. Si tu pries, tu prieras par la flamme de l'évangile. Tu prieras pas par tes ornements. Tu ne prieras pas par tes habits. Prie par l'évangile. La vie, ils sont beaux. Et ça qui tombe les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Ça porte la nouvelle. Ça dit à quelqu'un à côté de toi. Christ est vivant. Ça veut dire Jésus t'aime. Ça veut dire donne ta vie à Jésus. En faisant cela, tu as grandi la flamme. De ta lumière. Et tu repousseras les ténèbres de ta vie. Toute la terre était ténébreuse. Je dis que la lumière soit. Et la lumière vit. Enfant de Dieu, tu ne dois pas vivre dans les ténèbres. Tu ne dois pas aider les ténèbres. Parce que tu ne dois pas aider les ténèbres. Devant les gens, tu es autre personne. Ils vont se rabattre, ils vont te moussous. Quand tu es seul, tu es une autre personne. La bouteille de l'épée, on va pouvoir connaître tout le monde moussous. La lumière ne se cache pas. Pour les roubats d'un bâté, on peut cacher les ténèbres. Et pour roubats, on ne cache jamais la lumière. C'est pas pour la femme pour les hommes qu'on peut être. La Bible dit vous êtes une lampe placée au-dessus. Bible dit alors, vous allez dire, oui, d'avoir bâti les roubats. Il y a roubats. Tu ne peux vivre en dessous de la table. Pour qu'il te cobique à la scène à mes sacs.
Tu ne peux vivre en dessous de la table. Soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Soit tu es chrétien. Et je t'informe que dans le domaine spirituel, il n'y a pas d'intersection. Et à la tactique de Dieu, soit on est de Dieu, tout y a soit on est du diable, tout y a à Satan. Si tu n'es pas de Dieu, je t'informe ce matin que tu le fais ou pas, tu es agent du diable. Pourquoi? Parce que le diable n'a pas besoin de ta permission pour t'utiliser. Mais le diable de Dieu, lui, il te demande d'abord ta permission. Voici, je me tiens à la porte. Et je frappe. Si tu entends ma voix, tu ouvres la porte. J'entre. Cela veut dire, si tu n'as jamais ouvert la porte de ton cœur, même si tu le verrouilles bien, le diable n'a pas besoin de ta permission. Il vit avec toi. Ce matin, je suis venu t'appeler à la repentance. Je suis venu t'appeler au changement. Je suis venu t'appeler au salut. Jésus revient bientôt. Yes, on peut se battre. La fin de toutes choses est proche. Rappelle-toi ce matin. Bon moment, donne ta vie à Jésus. Mais ça va maintenant à Jésus. Parce que demain ne t'appartient pas. Qui te dit que tu arriveras demain? Là, il y a un peu de temps pour qui te dit que tu arriveras demain? Là, il y a un peu de temps pour le coyote. Personne. Mon côté. Accepte d'abandonner les péchés. Ni ma potica. La lumière brillera. Pour les compétences pour mes gars. Dieu dit. L'apôtre parle. Il dit ma potica. Nous sommes pressés de toute manière. Ils sont techniques dans l'église. Maintenant, venu à l'extrémité. Ça, c'est la tigre qui vit dans la soupe. Ça, c'est la lumière. Et pour les la lumière peut être pressée de partout. Pour les continuer comme la visite à tu peux pousser la lumière. Et continuer comme pour les. Mais tu ne l'éteindras jamais. Parce que vous m'avez dit, comme vous êtes. Est-ce que tu connais bien la géographie? Oui, mais madame, vous géographie. La lumière ne s'éteint pas. Pour les envoyer pour mon mais les ténèbres passent au-dessus de la lumière. Alors que les ténèbres passent au-dessus de la lumière, la lumière continue à briller. Pour les envoyer au cours la c'est pourquoi tu verras. Si au Congo il fait nuit, aux États-Unis il fait jour. Alors que toi tu navigues dans les ténèbres, tu penses que la lumière a disparu. Non. Et la lumière chasse les ténèbres. Tu peux chasser les ténèbres de ta vie. Si tu chasses les ténèbres de ta vie, tu peux être pressé de toute manière. Mais tu ne seras jamais réduit à l'extrémité. Voilà pourquoi la Bible dit quand on éteint les feux, il reste des millions qui fuient. Est-ce que tu me comprends? Si tu es lumière, on peut te presser de partout. On peut te combattre n'importe quoi. On n'éteindra jamais l'extrémité. Il y aura toujours un million qui fuit. Est-ce que tu comprends cette expression les lumignons qui fuient? Si tu veux, si je vais bien l'illustrer, tu vois normalement nos jeunes sœurs qui vendent le soir à la tannerie, ils allument des lampes avec des mèches. Ils mettent soit le pétrole, soit l'huile et la mèche sort et puis on allume. La flamme s'allume. Ça donne de la lumière.
Le vent peut secouer la flamme. Il va l'amener d'un côté, de l'autre côté. Tu pourras dire que la lumière est éteinte. Vous voyez, quand la flamme disparaît, il y a des fumées. Il y a la fumée du sang. C'est ce que la Bible appelle les lumières qui fument. Il ne suffit plus de venir la lumière. Mais à partir de cette lumière, la flamme ressort. Et ce qui dit le lumière. C'est ça la vie. Et celui qui marche dans la piété avec Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit que Dieu ne retire pas sa bénédiction. Dieu ne se répand pas de la destinée. Mais tu peux faire fumer ta destinée. Il suffit de revenir à lui. Le vent de l'esprit soufflera de nouveau. Et la flamme sortira. Voilà pourquoi on dit. Toi, tu ne tomberas plus. Tu ne seras plus détruit. L'apôtre dit, deuxièmement, tu seras dans la détresse. Mais tu n'atteindras jamais le désespoir. La détresse peut arriver. Je sais qui se donne à Dieu. La lumière peut entrer dans une stade de détresse. Pour les gens qui ont un temps, c'est ce qu'on appelle la turbulence. Mais il ne désespérera jamais. Tu es enfant de Dieu. Tu passeras par la détresse. Mais ce qui est sûr. Si tu ne désespéreras jamais, si tu comprends que je suis un lumineux qui fuit, tu ne désespéreras pas. Et tu ne désespéreras pas. Tu es un lumineux qui fuit. Cette fumée, quand tu n'as pas maman la tête, et ça la camille sous-passe. Il suffit qu'un client se présente à nouveau. La flamme refait sa place. Il dit tu seras désespéré. Alors qu'il était au propos de la base. Stressé de partout. Dans la détresse. Dans les soucis. Mais l'éliminion ne s'éteindra jamais. Espère toujours en l'Éternel. Dis-toi, je suis une flamme. Que l'Éternel a déjà allumée. Aucun homme ne l'éteindra. Tu marcheras tête haute sur la terre. Il dit, nous sommes persécutés. Alors, jamais abandonné. Jamais l'Éternel t'abandonnera. Jamais il te délaissera. Il a dit je serai avec vous jusqu'à la fin. Tu n'as pas encore atteint la fin. Est-ce que tu as déjà compris ce mystère de la parole? Quand l'Éternel dit, je serai avec toi jusqu'à la fin. C'est-à-dire, la fin, c'est l'anéantissement. C'est la disparition. C'est lorsque tu mourras. Maintenant que tu vis, il sera avec toi. On peut tout te faire.
Il y a quand tu respires. Espère encore. Dis qu'il y a des soucis. Espère encore. Dis qu'il y a des soucis. Persécuté. En tout cas, il est non abandonné. Quand c'est pas moi qui s'y ôte. Daniel persécuté. Daniel en tout cas, ami. Dieu était avec lui. Ça passe là qu'il est encore. Mais chaque chandac a des dégâts. Salut, mes amis, avec Nego. Persécuté. En tout cas, ami. La quatrième personne était avec lui. Mon ton ami, il a dit. Il a dit jette et ne serai point. Avec la boutique, on se remonte. Je ne t'abandonnerai point. La posture de la hausse, comme on te dit. Je serai avec toi. La prochaine année, il est encore. La votre vie. Thomas, oui. Nous sommes abattus. Ils ont tombé ton ennemi, ça. Maintenant perdu. Tassi, ton goût quitté. Abattu. Ton ennemi. Maintenant perdu. Tassi, ton goût quitté. Ça peut arriver que tu retournes dans l'abattement. Et que ton goût m'a aidé au bout d'un abonnement. Mais tu n'as pas perdu. Tassi, ton goût quitté. Parce que Dieu ne perd jamais. Tu peux être ça, mais à vous, papa, sans comment quitté. Il ne perd jamais. À vous, papa, sans comment quitté. Es-tu dans l'abattement? On s'en a fait abonnement. Mais tu n'es pas dans la perte. Parce que ça, ça pour vous, le Seigneur est avec toi. Colo, achète le bon ayo. Écoute ce qu'il dit. Yo kamaya koloba. Nous portons la mort de Jésus-Christ dans nos corps. Toko mema, liwa ya Jésus-Christ dans ceux de la bise. Afin de manifester la vie de Jésus-Christ. Pour y apporter ça. Comment y apporter ça? Dans ceux de nos corps. Kaka si dans ceux de yoko wana. Celui qui a appelé. Motoyo, a bien ami. Celui qui est appelé à l'idée. Motoyo, a bien ami. Y a content pour sa basus. Celui qui est appelé à diriger. Motoyo, a bien ami. Y a content pour sa basus. Celui qui est appelé à conduire. Motoyo, a bien ami. Y a content pour sa basus. Y a appelé à manifester l'amour. A bien ami. Y a content de ça. A ce moment, on va y pour la content de ça. Comment y aller? J'aimais ce que l'homme de Dieu m'a dit. N'est-ce pas dire mon ensemble, mon corps on ne peut pas prier. Mais pour quitter pour ça, mais là. Au pied de quelqu'un. N'a pas corona moto. Qui n'a jamais payé un prix. Quoi, tu as beaucoup de. Espérer vivre. Mais pour lui, tu as beaucoup de. Ce que lui n'a pas vécu. Oh, il y a un ami qui a été. Jamais. Sans pas compléter. C'est ce que l'apôtre a dit. Il y a un homme pour la voir. Nous sommes appelés de bien ami à manifester la destruction et à compter les abonnés la mort de Christ pour que la vie de vous vous ayez la vie pour être bien vous soyez bon moi c'est ce qu'il dit aux Corinthiens mais à moi pour la police il sortait de la prison pour être bien la vie de la boyoko Paul sortait de la prison pour la vie de la boyoko il était en face des gens qui accomplissaient des miracles à l'abri vous soyez dans votre âme vous soyez avec moi pouvait la rapporter. Ni la de la il a dit. Alors oui. Moi Paul. Caïn Paul. J'étais dans les Sanhédrin. Nazaraki n'a pas de. Je vivais bien. Nazaraki m'a. J'ai persécuté l'église. Les sacrificateurs me payaient. Nous devons prier les chrétiens. Pour que la paix qui s'en Christ. Un jour sur le chemin de Damas. Mon corps mon corps la Damas. Je rencontrerai un homme. Cet homme n'était pas un vivant. Cet homme n'avait pas la vie. Cet homme n'avait rien de pertinent. Cet homme avait la mort. Il m'a donné sa mort. Moi, comme je suis mort, je dois accepter de mourir. Mais ce qui me coûte, c'est la vie. Il y a des prix à payer dans la vie. Il y a des prix à payer dans la vie. Il y a des prix de la mort. Il y a des prix de la vie. Mais il faut que tu dis à bon moi. Ce sont des défaites de la vie. Et ça, c'est parce que la vie va aller à bon moi. J'ai la mort. Mais ça va dire quoi? Par la mort, je te donne la vie. Mais ça va dire quoi? Ça veut dire quoi? Mais quoi, Marie? Ton combat devient mon combat. Et tu m'as aïe, comme tu m'as aïe. Et de mon combat, toi, tu as la victoire. Et tu m'as aïe aussi, mon lèvre. Mais ce qui m'arrive. Mais voilà pourquoi, mais là-bas. Mais ce qui m'arrive, là. Mais voilà pourquoi, mais là-bas. Moi, réjouis-toi. Yo, c'est bien. Toi, adore le Seigneur. Parce que de cette mort, moi, tu as la vie. Yo, ça va pas. Sinon, ma parole que je te prêcherai restera la lettre.
et continue à la bocada. Restera la lettre et continue à la bocada. La parole qui t'est apportée, il aurait aimé la mieux à un prix de la difuta qui a été prêché ou été à ma vie. À un prix de la difuta qui a été payé ou été à ma vie. Le prix du futa t'apporte la vie. Et comme le nom t'apporte la victoire. Et comme le nom par cette onction, n'est pas bon voilà. Personne ne se lève contre ta vie. Mon Dieu, pour t'apporter les mains, pour t'apporter les mains. Par ma victoire, obtiens celui qui a l'onction sur toi. Mais nous, par où le bas, mon Dieu, pour soi, par quoi ma personne alors personne. Mon côté, mon côté. Il y a des avantages sur toi. À cause de ma démonstration, il y a un prix à payer. Et dans les coups d'œil, beaucoup d'œil. Jésus n'était pas accepté. Yes, le roi qui prévient l'idée. Jésus ne pouvait être le sauveur du monde. Yes, le roi qui commit sa mort. Il n'a pas accepté la mort. Sauveur du monde, il va te. Pour sauver. Pour la commit ça. Il faut porter la mort. C'est même pour la loi. Pour sauver. Pour la commit ça. Il faut payer une dette. C'est même beaucoup d'ailleurs au moment. Il faut payer bien aimé. C'est même beaucoup d'ailleurs au moment. Il dit la mort de Jésus agit en nous. Alléluia. Yes, le mot de la carte de vie. Pour que la vie de Jésus. Pour être bon, oui. Yes. Agit sans vous. Mais c'est la carte de vie. Quand j'étais pas. Là, pour le meilleur. Je te communique la vie de Jésus. Là, pour plus, c'est voilà pourquoi quand je prie pour toi. Là, pour je ne prie pas avec les paroles. Là, pour ça, j'ai payé un prix pour avoir des autorités sur ta vie. Là, pour ça, qui me dit que je vais te faire. Pour le sur les livres. Là, pour moi, il n'y a pas de rôle pour le roi. Là, je te dis que tu es guéri. La maladie où tu es. La maladie où tu es. La maladie où tu es. Parce qu'un prix a été payé. Il a dit nous nous manifestons la mort de Christ. Pour que toi tu recevais, tu reçois de nous de la vie de Christ. Quelle que soit le niveau de la malédiction. À ta pomponée, rien ne résistera à l'onction. Rien ne résistera à la puissance. Ta vie est désormais scellée. Parce qu'un prix a été payé. Je suis une flamme. Voilà pourquoi il conclut ce passage, il dit. J'écris. C'est pourquoi je parle. Si toi aussi tu dois. Tu dois aussi parler. Ça j'aime. La responsabilité. Moi j'écris. J'ai l'été les dits. Mais si toi tu t'étais, tu ne vivras rien. Est-ce que tu me comprends? Parce que la foi c'est une partie de la proclamation. Quand moi je te parle, tu dois parler. Je te parle parce que j'écris. Et il dit, toi aussi à qui on parle, ne t'étais pas. Parle. Proclame l'évangile de la résurrection. Dis au malheur de ta vie. Je suis une flamme. Je suis une union qui fit. Le feu est en moi. Il suffit que le vent de l'esprit souffle. Pour que je vive des choses. Les serviteurs de Dieu traversent les choses. Pourquoi? Premièrement, on dit, afin que la grâce se multiplie. Je voudrais que l'Église me suive par ces trois choses que le Seigneur m'a enseignées. J'ai posé la question à Dieu. Pourquoi ceci? Écoute la réponse du Seigneur. Premièrement, un homme sous l'onction, sous un leadership, vivre certaines choses. Primo, afin que la grâce se multiplie à l'Église. Voilà pourquoi j'ai dit, j'ai annoncé. Nous commençons un temps de traverser des choses bizarres, des choses inexpérimentées. Attends-toi des choses que les yeux n'ont jamais vues, des choses que les oreilles n'ont jamais entendues, des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Ce sont ces choses-là qui commencent à
qui commence dans ce ministère. Attendez-vous à vivre des choses extraordinaires. Mon frère, reste là, je vais parler de toi. Dieu ne ment jamais, acclamons le Seigneur pour toi. C'est bien aimé. J'ai une histoire avec lui. N'est-ce pas? On s'est connu quand? Avant cette église. N'est-ce pas? 2016. J'ai des larmes aux yeux pour ce que le Seigneur est en train de faire. J'étais en prière aujourd'hui. On a eu un problème de clavériste. J'ai parlé au serviteur. Je l'ai dit. J'ai suspendu la croix. Dieu m'a dit qu'il commencera à remplacer des gens dans cette église. Des mauvais fruits. Il les remplacera. Il prie quelque part, il sert Dieu quelque part. Lui-même ne sait pas pourquoi il est là. Mais je le lui annonce devant l'église. Parce que Dieu m'a dit qu'il enverra ses frères. Il résolvera les problèmes du clavériste dans cette église. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. J'étais au bureau. On a prié jusqu'à 2h du matin. 2h du matin. J'ai dit aux gens, allez dormir, moi je continue à prier. Je ne priais pas, mais j'étais angoissé. On dirait, j'ai fait de l'insomnie. Je suis rentré à l'église pour prier. Dieu m'a ouvert les yeux, je l'ai vu en train. Et Dieu m'a dit, j'ai pas son numéro. Je m'inquiétais, j'ai dit à Rodrigo. Dieu m'a montré un frère qui est entré pendant que nous parlions du clavériste. Parce que cette église prend une autre vitesse, je vous l'annonce ce matin et on essaie de prédire. Attendez-vous à des choses inhabituelles, je pèse mes mots. Des choses que vous n'avez jamais imaginées. Dieu fera des grandes choses. Il est entré pendant que moi j'ai prié dans ma vision. Avant de monter à l'estrade, le Seigneur me l'a rappelé. J'ai dit ici, j'ai un Seigneur, je le verrai où? Je l'ai vu. Bénissons le Seigneur. C'est un frère. Un jour, je le prierai à venir témoigner ici. Il n'est pas le fruit de ce ministère. Mais Dieu l'a mis en contact avec moi pendant une période très difficile de sa vie. Le jour où il a frappé à ma porte, il est parti, nous avons des larmes avec madame. Il viendra vous parler de pourquoi il était venu chez moi. Je l'ai vu 2 ans ou 3 ans après. C'est pourquoi il s'est soucié à l'époque. Le Seigneur l'a répondu. N'est-ce pas? Et il a été le premier à venir solliciter, nous soutenir dans les travails. Le frère qui était ici, comment il s'appelle? C'est lui qui joue au santé, parti, Jonathan. C'est lui qui nous l'a envoyé, c'est lui qui l'a amené ici. Nous ne venons pas jouer ici. Nous venons prendre, nous venons pour transformer les vies ici. Nous ne venons pas passer du temps ici. Nous venons faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Quand l'homme ne paye un prix, il ne le paye pas pour lui. Il porte la mort de Christ afin désormais de devenir les dispensateurs de la vie de Christ. Quand le Seigneur parlait de ces choses, c'était des choses lointaines. Mais maintenant, c'est sur le point d'arriver. Maintenant, c'est le point de départ. Et la parole de Dieu dit, quand il le paye,
c'est pour que les grâces se multiplient. La multiplication des grâces, c'est oui. Le temps où l'Éternel suscitera des pierres parmi nous. Les gens vivront des choses qui ne méritent pas. Dans tous les domaines de la vie, les grâces s'élèveront dans l'église. Il y a des choses que nous cherchons aujourd'hui que nous ne chercherons plus. Il y a des sommes que nous cherchons aujourd'hui que nous ne chercherons pas. Il y a des services que tu cherches aujourd'hui que tu n'obtiendras pas par la main. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, lui, c'est pas ça. Il dit lorsque le prix est payé, première raison, l'église sera remplie de grâce. J'attends une grâce de toi. J'attends voir une grâce sortir de toi. Nous avons besoin de cette grâce. Deuxièmement, il dit, afin que la gloire de Dieu abonde. Il y avait la gloire, Rodrigue. Mais maintenant, la gloire va abonder. Nous avons toujours vu la gloire. Mais maintenant, la gloire va abonder. Je l'ai vu pendant nos cultes de la semaine. La gloire va abonder. Là où le péché abonde, la grâce vient en surabondance. Nous ne nous occuperons plus du péché. Nous ne nous occuperons plus des sorciers. Mais ils seront étouffés par la gloire de Dieu. La gloire sera tellement si grande que aucun autre esprit ne pourra se mouvoir en ce lieu. C'est pas moi qui l'ai dit. Troisième chose, il dit, afin qu'un plus grand nombre apporte des actions de grâce. Amen. Je ne suis jamais, ce que je voulais dire, depuis ceux qui ont prié avec moi. Je ne suis pas épaté par les dîmes, par les offrandes. Pour moi, la plus grande donation de l'Église, c'est une action de grâce. Je l'ai toujours dit. Une grande église, une église qui ne fonctionne pas par l'église. C'est pas une église qui fonctionne par les offrandes. C'est une église qui acquiert cette dimension. Mes actions de grâce. J'ai 1000 dollars. Ma dîme, c'est 100 dollars. Mon offrande de paix fait 10 dollars. Mon action de grâce, puis aller aux abats des 1000 dollars. Et puis vous allez vous dire, moi, tant qu'on a fait. C'est là jamais imaginé. On dit qu'à la combattre, c'est un projet. Les démons, regardent les dîmes. Les sorciers des églises, regardent les ouvriers. Vous savez pourquoi? Ils sont petits en esprit. Mais Dieu nous attend dans cette dimension. Les actions de grâce. L'action de grâce, ça peut être que tu achètes la parcelle pour l'église. Parce que le Seigneur a fait pour toi des choses inimaginables. Et ça m'a fait pour ne pas s'asseoir pour quelqu'un. Je conduisais une opération à chaque fois que quelqu'un débat. Les gens ont souscrit. La plus grande souscription, c'était 100 dollars de loi. Parce que je gérais la chose. Mais un jour, nous l'avons fait plus de 6 mois. Nous n'avions même pas atteint 2000 dollars. Un jour, pour une prière faite sur quelqu'un, quelqu'un a apporté une action de grâce de 3 500 dollars. 3 500 dollars.
Il me l'a donné en privé. En cachette. Je pouvais la voir et partir avec. Je n'aurais pas péché. Parce que c'était sous mon onction que cela s'était fait. Mais j'étais sous une autre onction. J'ai apporté l'argent. L'action de grâce. C'est la dimension où Dieu t'attend. J'ai besoin de $100, même à $10 à dire. Que Dieu fasse pour toi des choses au-delà de l'imagination. Nous lançons l'opération achat parcelle aujourd'hui ce matin. Les numéros de compte sont affichés. Dieu ne t'attend pas que tu prennes ta dîme pour aller mettre dans les comptes. Dieu ne t'attend pas pour prendre tes offrandes et les mettre dans les comptes. Dieu t'apprend dans les actions de grâce. Quand la Bible dit, quand on paye ses prix, afin qu'un plus grand nombre de gens apportent des actions de grâce, c'est-à-dire que Dieu multiplie le niveau de vie financière des gens. Il élève le niveau de la bénédiction de l'Église. Ceux qui dorment avec moi ici, ceux qui prient avec moi tous les samedis savent les services que j'ai fait avec les paniers des offrandes. Les niveaux des actions de grâce, les diables ne les atteignent jamais. Le diable peut te combattre dans les offrandes, dans tes offrandes, jamais dans les actions de grâce. J'ai parlé des actions de grâce un jour. C'est pourquoi moi, quand je suis là, quand quelqu'un apporte l'action de grâce, quel que soit le niveau de ce qu'il contient, je prends le temps dans ma prière. Nous en prions pour lui. Parce que je sens ma foi élevée. Je sens Dieu nous amener dans une autre dimension. L'église comme l'église d'Israël a été construite par des actions des grâces. Pas par des offrandes. Et quand à chaque fois nous paierons un prix, les prix ne sont pas que les calamités. Pas. Le prix à payer pour Dieu, ce n'est pas seulement en pleurant. Le prix à payer pour Dieu, c'est rencontrer les désirs de Dieu. Quand nous payerons à chaque fois les prix, nous nous rencontrerons les désirs de Dieu. L'Église vivra ces trois choses. La gloire abondera. Les actions de grâce abonderont. Et la grâce s'élabondera. Je termine dans 2 minutes. Écoute la conclusion du terme de ce matin. Pour ces trois choses, la Bible dit, à cause de ces trois choses que l'Église vit, nous ne perdons pas courage. Lèvons-nous. Nous ne perdons pas courage. Deuxièmement, il dit, les sacrifices que tu payes pour accéder à ces trois choses affaiblissent que l'homme extérieur. Et quand l'homme extérieur s'affaiblit, l'homme intérieur prend. Ne gravisse pas tous deux ensemble. Tu dois faire un choix. Soit tu fais croître ton homme extérieur plus, ton homme intérieur deviendra chétif. Il sera très petit. Parce que tu ne vis que pour ton corps. Quand tu ne sais pas sacrifier l'argent, acheter une chaussure pour Dieu, tu auras des chaussures et des chaussures. Mais ton homme intérieur régressera plus. Or, c'est l'homme intérieur qui conduit l'homme extérieur. Est-ce que tu me comprends? Non, je ne comprends pas.
Quand tu t'occupes trop de ton corps, de tes avoirs, de tes biens, dans un corps d'Islam, l'homme intérieur mal. Le jour où on va choper le nez de communion, moi, je n'ai pas de pied, je n'ai pas de. Il est tellement enfant, hein, pasteur Valien. Il est tellement petit. Tu verras les gens dormir. Tu verras les gens qui ont été en train de se faire pour le bon. Un petit homme intérieur. C'est l'homme intérieur qui conduit l'homme extérieur. Si tu fais l'inverse, au point la prise d'attention. Parce que le poids de l'enveloppe est plus que le contenant. Puede kilo con lo casa de le quitas. Sala mune de la casa. La segala la mundo mo ahí sa casa mu que sobre la vida. Yo pe mu que. Yo le sé yo pe mu que mu ene. Ahí na mu ne na casa. A todo mundo lo tuvo la mamu que le que pa na o me interior. A todo me mandé como mi para mucho. Yes. Me lo que exterior y le que podía. Travaillons pour ce qui est éternel. Ne travaillons pas pour ce qui est périssable. Quand on échappe la friction du moment présent, c'est-à-dire ce que tu vis présentement, prépare ton avenir. Le présent prépare l'avenir. Qu'est-ce que ton présent? Qu'est-ce que tu fais de ton présent? L'avenir n'est pas un hasard. L'homme devient que c'est pourquoi on a travaillé. Qu'est-ce que tu fais présentement? Qu'est-ce que tu vis présentement? Qu'est-ce que tu supportes présentement? Ça te prépare pour ton avenir. Si tu travailles pour l'homme extérieur, ce que vous savez pour le moto libana, il mourra à Bokoufa. Ce que tu vis maintenant, produis pour nous. Et Bokota pour la mission. Produis pour nous. Et Bokota pour la mission. La mort que nous supportons. Les châtiments que nous supportons. Passe donc au même mât. Produis pour nous. Et Bokota pour la mission. Un point éternel de gloire. Guilon, il y a ce qu'on a ce mot. Quand moi je dors ici, je prie contre les démons de ta famille. Je porte le combat de ta vie. Pour que toi tu sois bien. Cette nuit, un esprit de mort s'est levé contre les femmes enceintes. J'ai combattu ici. J'ai prié. J'ai arrêté la mort. J'ai scellé une alliance. Aucun process ne sera permis. Parce que j'ai payé de mon sommeil. C'est ça le prix à payer. Il faut faire. Avant la zéminaï. Avant la zéminaï. Parce que la mort a été portée par quelqu'un d'autre. Et ne manquez pas une autre motion. Et le poids de gloire que cette personne attend, ça viendra de vous. Parce que ce que j'attends de vous, ce n'est pas que vous me donniez de l'argent, ce n'est pas le matériel. J'attends la gloire de Dieu sur vous. Je vais voir la gloire de Dieu rayonner en vous. Je vais voir Dieu changer vos vies. Je vais voir Dieu vous amener dans une autre dimension. Je disais un jour à quelqu'un, c'était la délivrance de quelqu'un. J'ai dit au serviteur, c'est moi à enchaîner cette personne pendant plus de 20 ans. Nous venons de les chasser à moins d'une heure. Quelques temps après, j'ai vu cette personne vivre sans conscience de ce qui s'était fait. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, tu penses que nous faisons des blagues ici? Après, je te pose les mains.
J'ai chassé un démon qui t'a lié pendant plus de 20 ans. Tu sais le conflit que tu crées avec ces démons. Et toi, tu reviens dans la santé comme si rien n'était fait. J'ai prié le prix pour ta libération. Ma gloire, c'est de devoir avancer avec le Seigneur. C'est de devoir vivre les grandes choses. Est-ce que tu peux fermer tes yeux? Lève ta main droite vers ton pasteur. Pour le poids que je porte sur ta vie, dis un mot. Prie pour ton pasteur. Prie. Parce qu'il y a une gloire qui vient. Qui ne faiblisse pas. Qui ne s'arrête pas de porter ton combat. Qui ne se fatigue pas. Qui ne se lasse pas de combattre pour toi. Tant que je serai debout, aucun démon ne prendra de l'emprise sur toi. Aucun malheur ne t'atteindra. Aucun combat ne te vaincra. À cause de ce que je vis ou de ce que je traverse, prépare-toi maintenant à vivre un poids éternel de gloire. Ce que nous attendons vivre maintenant, c'est un poids éternel de gloire. Prépare-toi à porter ce poids. Prépare-toi à supporter ce poids. L'apôtre l'appelle un poids. Ça sera un fardeau. Si tu n'es pas préparé, tu ne vivras pas cela. Tu n'obtiendras pas cela. Seigneur Dieu, je prie pour ce peuple que tu as mis sous ma charge, sous ma responsabilité. Je m'élève contre le pouvoir de l'ennemi dans leur vie. J'ai payé le prix pour gagner le temps, pour qu'aucune maladie ne le prenne en captivité, pour qu'aucune malédiction ne subsiste dans leur vie. Je libère ce poids éternel de gloire. Je les libère dans la vie de tes enfants. Je les libère dans cette église. La prière a été payée pour que la gloire paraisse. Tu l'as permis alors que nous étions en train de descendre. Maintenant, je déclare le temps de la nouvelle gloire. Le temps de la nouvelle gloire. Et à trop naïe, à qui la vie soit à l'élo.
Amen. 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 Bine, bine, să te explic mai sus pe de jos. Aleluia! Aleluia! Vă savei că am adunat la parolă, pastor, că am ajuns din scoare la mai rău de ea. Deja am pasat că îi puve direct că mă comasă a pe jos. Aleluia! E vizia dat de noi te-i tune, mă mune, că mai am vizit un servis. Aleluia! E de să te explic, azi îi să-l arăti, va te vrei că mi-i pune mi Et le samedi, le papa était lui-même ici, il nous a prêché, il nous a dit, il a libéré maintenant les lions. Il a libéré les lions. Tout ça, on va mourir des cigos, on va pas mon abuso. Tout ça, on va pas mourir, on va voir comment on va faire. Mais tout ça, maintenant, on va lion en notre sécurité. Alléluia. Il a libéré les lions, Seigneur. Bien-aimé, papa. Amen. Alléluia. Mais la chair ne gagne jamais. Les gagnères ne lâchent jamais. Amen. Puisque nous avons six mois malheureux ensemble, nous croyons et qu'en Seigneur, nous allons vivre des grandes choses, comme il a dit, prophétie, il y a papa, il y a 4 et 6 ans, c'est comme ça. Nous sommes bien ensemble, on a beaucoup. Nous sommes bien ensemble, on a beaucoup. Nous sommes bien ensemble, on a beaucoup. Il y a des grandes choses qui sont ici. Quand les bandits, les gens ont fait la bataille, ils ont bien aimé, ils ont fait la bataille. Tout le monde est venu à la semaine. Tout le monde est venu avec nous mardi, venez assister avec nous vendredi. Il y a des choses qui se disent enseignées pour nous apprendre des choses. C'est très très important pour ta vie. Alors, ça a un décalage par rapport à ce que vous avez mardi, là où vous avez mardi, vendredi. Nous voulons décoller ensemble. Nous voulons vraiment décoller ensemble. Et j'aimerais que nous préparons déjà nos offrandes. Nous préparons nos Galates 6-6. Nous préparons prendre nos Galates 6-6. Bien aimé. Et c'est bien la vie de comprendre que nous avons compris. Nous avons dit que nous avons aussi moi pour qu'il y ait la communauté. Bien aimé, vous savez, ces enveloppes, ce n'est que 3, 1 ou 5 dollars. Mais si nous faisons comme des fourmis qui préparaient. N'a été où ils allaient dire hiver là-bas. Ils commençaient déjà à amasser pendant qu'ils faisaient encore été pour préparer leur hiver. Nous allons rester. Alléluia. Je voulais dire quoi? L'église est encore locataire. Nous devons payer nos offrandes. Nous avons payé, pardon, notre loyer. Alors, les enveloppes de J'aime mon église nous aident à récolter le loyer de l'église pour le mois. Nous sommes déjà le 21, c'est le mois de février, ici il y a 28 jours, donc il nous reste tout au plus 7 jours. Mais j'ai mis, c'est comme si on lâchait par rapport à l'enveloppe de la chef mon église. Pendant que j'ai dit là, nous préparons déjà nos offrandes de Galates 6, nous allons les mettre ici, et nous allons aussi préparer nos offrandes pour ceux qui sont venus en retard, ne rentrez pas sans mettre les offrandes. Nous allons commencer à venir. C'est pour ça que je vous invite à venir avec les offrandes, à venir avec vos frères de mission dans l'acte 6-6, et puis à venir avec ma enveloppe de mission et j'aime mon église. Nous autres, j'aime mon enveloppe de mission et j'aime mon église. Mettez ça au milieu, enveloppe de mission et j'aime mon église. Mettez ça au milieu avant que tu passes dans la communauté de mission. Nos offrandes, nous mettons avec sérénité. Et nos dîmes, ceux qui ont amené à porter leurs dîmes, peut toujours passer devant et notre papa va prier pour ce qui a amené leur dîme, pour aller finir les temps par rapport aux services. Ça va être la dîme, ça va être pour prier pour eux.
pouvions apporter la dîme, passer des temps, on va prier pour vous. Il a trouvé que c'est le moment facile pour aller à récolter quelque chose. Et dans le moment hiver, c'est difficile pour aller à dire puisqu'il fait froid. Bien, dans cette opération, pour trouver qui trouve pour la compte, il y a église pour l'achat de la cathédrale JMRD et c'est chose déjà faite. Donc, il y a des cela une semaine passée, donc on a déjà compte la vie. Je crois que à Dignon, sauf à un papier royal, les vidéos basées ont déjà battu pour nous appeler. Si on a reçu papier au théorie, on a communiqué l'adresse, on a communiqué par le numéro de compte. Ils sont reçus en haut. On a reçu des papiers pour simplement nous appeler pour qu'il n'y ait pas un papier. Nous voulons que tout le monde ait un papier, puisque Dieu va commencer à nous bénir en désordre. Amen. Dieu va commencer à nous bénir en désordre. Et tant que vous avez pas bon d'ailleurs, pour ça n'a numéro à compte D. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, je voulais vous dire quelque chose. Et que nous avons compris que si nous nous organisons très bien, pour la compte, la vie sur sa compte, il y a des petites banques, donc des petits BCDC, puisque ce sont les deux banques qui sont en vision, pour bien ensemble. Et bien ici, le Seigneur, si par semaine ou par mois, nous avons monté mon calé, par exemple, la semaine où tu as $200 d'abord, et le mois où tu as $1000 d'abord. Ce qui l'a gagné plusieurs mois, la banque va constater que au tchat, ils sont en carte de compte, ils sont stables. Et, bah, pour trois ils sont pour payer sa vie sur crédit, il y a achat passé. Alléluia. Donc, si seulement par semaine nous mettons des fiscaux à $300 et par mois nous arrivons à faire $1200 chaque fin du mois,
Bien-aimés, dans moins d'une année, la banque va nous envoyer un montant qui va nous permettre d'acheter une parcelle dans la commune Yalemba depuis la salon. Maintenant, ça va dépendre de nous. Pour que cette opération puisse réussir, ça va dépendre de nous. Amen. Dans les minutes, après une année, donc 2021, tout ça a déjà un intérêt dans le sol. Je prie, puisque tout le monde est dans la limite de la 2021, tout ça a déjà un intérêt dans le sol. Gloire au Seigneur. Maintenant, il s'agit d'un biseau tout souka, n'a pas se fait la terre, tout bouge aussi, ma finance dans le biseau. Alléluia. Donc, au moment qu'il est directement là-bas, ils ont fait un biseau plusieurs possibilités. Laisse-moi parler un peu de ça, puisque c'est très important, c'est pour l'église. Laisse-moi te parler, donne-moi un peu de temps. L'église va nous donner plusieurs possibilités. Amen. Même avec un peu ça, pour que tu en apportes, même sûr. Alléluia. Amen. Donc, tu peux te renseigner avec un PESA pour que tu aies un PESA. Je ne sais pas si le service, ils ont aussi la RTL Money. Ils ont aussi la RTL Money. Donc, à partir de RTL Money, tu as un compte, on a RTL Money. Donc, un PESA, et directement, je crois qu'ils ont aussi l'Orange Money. Donc, par les autres, la mission de Lyon, il y a RDC, et on transfère directement la compte de la mission. Ça va nous aider. Avec ça, vos messages, nous aurons des messages par rapport à la dépôt au lit de la. Et ça va nous permettre, de chaque semaine, chaque mois, nous avons déjà monté mon sous-bol. Amen. Donc peut-être, et puis tu banques, je ne suis pas sûr que ça n'allait pas, peut-être ça en a liberté, ça a été. Pardon. Rond-point là, mais ça a l'idée que ça partout. Donc, les connions sont là. Cité verte, vont à Fola, donc partout ils allaient, Lemba, les rencontres ils allaient, côté liberté ils allaient, vie ils allaient, donc partout où tu es, tu peux mettre quelque chose dans le numéro pour toi. Retenir et avoir très bien, faire attention au temps dont on compte vous douter. C'est comme ça que nous avons pris soin de distribuer dans mon tenu. Tiens, papier, on a enveloppe, pardon, la porte-monnaie, la sac, la haute, voilà, la porte. Parce que quand Dieu va te bénir, aux arbres de vous retrouver, que tu vas vous payer notre compte, c'est un PESA, notre RTL Money, pour que Ocha, Acha, Mongo, na Acha, ya cathédrale. Et ces comptes, nous allons les vérifier, ça sera peut-être chaque fin du mois, nous allons annoncer l'église le montant auto-récolté. Amen. Et donc, pour comment on a monté, c'est à ce moment-là que nous allons commencer à solliciter la banque, ce qui est possible, va payer sa mission, donc, croyez-le sur un crédit que nous allons commencer à payer. Petit à petit pour que l'église, les chiffres, ça a déjà ici. C'est comme ça que nous allons acclamer le Seigneur pour cette initiative. Nos communiqués et annonces, Jésus-Christ revient bientôt. Et nous vous invitons, Pato Bayer Maladibousso, pour Samarana Disso, bien-aimé, de toute la parole et cérémonie, surtout en Ango, là où tu es, simplement au retour pour nous saber, pour que tu constates si vous allez. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Ici les invitations, ceux qui ont entendu la parole de Dieu, continuons à faire des suivis, l'évangélisation, et à la fin de notre rythme, bien aimé dans le Seigneur, pour s'en faire un kit de l'Ibosso, il y a quelqu'un qui viendra te parler des programmes d'Ibosso et à l'Église. Amen. Ça va être pour nous, ça va vraiment bien aimé, pour que c'est fini pour la parole, à propos de l'Ibosso, ma fille. Lundi, nous avons la journée d'Ibosso et à l'Église Sacropice, et ça, tout dénommé en gros, journée des secours divins. Amen. Nous avons déjà décollé. Donc, pourquoi que ce soit l'église sacrifice, ils ont maintenu. Les lundi aussi, ils sont là dans l'église sacrifice. Donc, nous n'avons jamais cessé à chercher notre Dieu. Donc, c'est lundi, tous en a l'église sacrifice. Nous avons continué, j'ai la mission au Bataka. Toujours, on a beaucoup de temps au Bataka. Et ils aussi là, la clôture et la prière dans l'Isso. Et la journée, ils ont scellé toujours dans trois parties. Donc, de 6h à 7h. Nous partageons un thème,
Si l'Éternel est pour nous, il sera contre nous. De 6h à 7h, si l'Éternel. De 12h à 13h, l'Éternel est pour nous. De 17h à 18h, jusqu'à qui sera contre nous. Toujours nos programmes de l'Église Saint-Office et sont en ligne sur Facebook. Sur côté dans Facebook, Otali, page de l'Église d'Égypte, comme on est encore. Et chaque 6h à 7h, vous pouvez trouver l'Église en ligne. Vous pouvez prier la vie pour ceux qui n'auront pas le temps de venir ici. Mais ceux qui auront le temps de passer ces moments, ici, ils n'ont qu'à passer de 6h juste à 7h juste, je rappelle, de 12h juste à 13h juste, et puis de 17h juste à 18h juste pour clôturer par instance la mission et la prière. Et la journée de la mission est mardi, de 16h30 à 18h30, il y a réunion de femmes baptiseuses. Et ce sont des moments forts où nos mamans viennent avec nos sœurs, les fiancés, au Bakabolanda, ma seigneur, la bonne catéchique, nous avons aspiré, nous avons moi aussi, je sais que le mariage c'est déjà fait pour nous. Amen. Donc, ils ont dit le concept, on dit ça déjà pour la mission, mais il y a qu'à pour la maman, au moins, on a dit que ça, on a dit que ça va pour le programme de la maman, il y a ma femme baptisée. Le mercredi, c'est le mercredi, pardon, je voulais dire. Les mercredis et les vendredis, bien aimé, nous avons déjà décollé avec des moments prophétiques. Bien aimé, c'est mercredi et journée de la mission à vendredi, ils ont des jours spéciaux. Amen. Nous ne cesserons pas. Diable a pas mis sa vie. Amen. Alléluia. Il y a diable au bas qui s'en a été. Il y a diable au bas qui s'en a été. Qui te soit fait selon ta foi. Amen. Donc, mercredi, non, vendredi, donc il y a des jours. Donc, il y a des jours prophétiques. Mais, donc, au passé, à un moment, il y a jeûne et prière. Donc, dès le mardi, à partir de 0h, donc il y a jeûne. Et à partir de 16h30, à partir de 16h juste, pardon, puis de 18h30, nous avons une instance très forte de prière et nos prières seront prophétiquement. Et ces deux jours seront conduits par le prophète Henri et notre papa. Nous avons un moment, mercredi, nous avons un jeûne, je viens à ton côté, nous avons un jeûne, 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 nous. Donc, thème de la il y a mercredi et jeudi sera montre-moi ta gloire. Amen. Montre-moi ta gloire. Quand vous avez déjà la prière, il y a tout le monde qui sa journée mercredi, dans vendredi, et puis ça nous appelle le soir, la ligne de la Sangaï Képonayo. Ça sera connu par le prophète Dari. C'est un enfant maison, nous le connaissons très bien. Comment est-ce que Dieu l'utilise puissamment dans un message prophétique. Et jeudi, à partir de 16h10, 18h juste, nous avons un programme, il y a jeunesse de David, génération pardon David, ils seront ici à partir à jeudi déjà, donc à 15h, à Koutania. Bien aimé, ce sont des moments aussi forts où jeunes, par coup de la carte de Sikao, on va partager un mot par la prière, on va partager un mot par l'expérience de ceux qui ont vécu. Donc ça va vous mettre bélé, moi-même j'ai eu à participer. J'ai vu comment les messages. Ici, là, qui commence à venir au débat sur un thème, un commerce va partager avec un commerce qu'ils ont compris. En tout cas, j'ai aimé ce moment. Pour ça, je pense que ce que vous avez manqué dans ma rencontre, j'ai dit, vous avez dans ma rencontre. Amen. Alléluia. Vous avez dans ma rencontre. Et le dimanche, nous serons ici à partir de 8h45, puis 11h47. Mais nous rappelons une chose aux parents, surtout aux parents. Les parents. Faites de sorte que nos enfants puissent avoir. C'est dimanche. Wow. Ok, merci. Nous rappelons pour les coutumes, mais nous rappelons aux parents. Les parents, ils se sont dit tout formés. Nous avons dit d'avoir un avis sur la formation pour les coutumes. Amen. Amen. Donc, les enfants seront ici le dimanche à partir, il y a 8h juste, qui donne 9h juste, parce que les coutumes dans l'envoi. Si on a déjà ton programme de 8h, on continue dans ma question. Il y a une information pour les enfants, c'est bien, puisque les enfants ont d'habitude
beaucoup de questions à poser. Alors, si dans mon moment, on pour que ma canton est ma bambou, on attend à conformer ma go, et c'est pour la boule à plaisir. Et ce dimanche, nous avons notre célébration, notre équipe de puissance, et pour ça, dimanche à partir de 16h30, 18h30, dans la carte de Sida, puisque c'est le dernier dimanche d'Abissot. Rappelez à tous, pour donner ce moment, la carte de Sida, que le dimanche, nous ne prierons pas de 8h45 à 11h30, mais nous prierons à partir de 16h30. Na 18h30-45 au plus tard. Programme spécial, donc nous venons de parler de ça. À partir de 15h30, sinon 18h30, ça sera nos kits de célébration GIPT. Et ça sera conduit par Maman Ori comme chantre. Et ça sera le moment d'impactation et prophétique. Et nous serons ici par notre. Nous serons ici et ça sera conduit par notre papa, celui qui sera à la brèche pour nous parler. Et les prophètes arrivent, ils seront allés pour clôturer le moment de mercredi et vendredi. Ça sera un dimanche fait dans Oyotoko, Koumissa ensemble. Tous les deuxièmes dimanches du mois, les gens en réunion par couple, nous avons manqué ça les 14, mais les 14 au mars, c'est. Et qu'on aura le même jour, donc ça sera le dimanche le 14, que vous aurez la 4, il y a ici, quand ça sera un réunion de couple, nous allons commencer à rappeler. Ça sera des clips dans l'équipe de l'avant-midi et l'équipe et le programme des couples pour les mamans, pour les couples et ceux qui sont fiancés. Les pasteurs reçoivent chaque lundi et mercredi. Chaque lundi, mercredi et vendredi à partir. Il y a 15h juste, 16h juste. Donc nous voulons signaler, nous voulons aussi rappeler une fois de plus que l'Église a déjà un compte. Avant, nous avons pu parler de ça. Donc faisons en sorte que l'Église puisse avoir un cathédrale. Et il y a un petit communiqué que nous allons appeler notre cordon, lui qui va appeler papa pour clôturer nos prières. Nos excuses pour la Bonga. J'espère que Tosa n'a les carobounènes Oyo et comme la Kibiso semaine passée, dimanche, papa, bon, il va être Kabukui la Kibiso. Bakuya papa et Zwaki Moto, il a tout perdu, tout perdu. Donc, une colonie sera de Tosa la Kinabako. Par mon acquis, de fournir une flore et de récupérer même quelques documents, mais ça n'a pas été. Ça s'est passé comme c'est passé là. Mais dès que dimanche, il y a une célébration moyen de la cotisation ou les athées, dans un reportant au dimanche, il y a le. Bon, après, il y a le 29, dimanche, il y a le 7, je crois, le 7 mars. Moto point d'union sur la Gip, Azan papa n'a pas de Azan n'a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Moi, je n'ai pas dit que Azan papa n'a pas de soucis, n'a pas de soucis. Oyo, assez privé, Azan, moi, deux fois, n'a pas de soucis, il n'y a rien à dire. Azan a estomac, au moment où il y a un peu de maïté, il y a un peu de soucis, il y a un peu. Quand il nous a prêché, il nous dit qu'à ça, Allah l'a quitté effectivement pour ça, qui la prière à Yébis Bisso, donc comme on a clôturé, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Après 5h, on va dire prière à Yébis Bisso, il y a un peu de temps. Il y a un peu de sacrifice à Zosa pour la Bisso. Donc nous sommes obligés, dimanche, Zoya, à porter non seulement aux alambos. Sur le plan financier, matériel, au quotidien de boutique, au sommet chemise, au sommet chaussures, au lien enveloppe, pour nous soutenir famille. Amen. J'espère que nous soyons sur Toyo qui communiqué au Anna dimanche prochain. Nathan a communiqué, donc on a appelé à Rolissousou pour que dimanche et à Nazon Nanasilissa, ton salaki, ton engagement, awa, tout ce qui n'a. C'est un bonheur, papa, j'espère.
$70, il nous reste $30, $10, $10, $10, papa Christelle aïe, t'as l'état, $8, $30, tu en as pour ça 3 personnes, papa qui s'en va, tout ça à $100, pour trouver ça dimanche, $10, $10, chacun 3 personnes. Ok, donc on a $80, maman Lydia, ok, donc on vit ici $100 déjà, donc dimanche, tu y en as $10, la mission de table et papa pour la mission. Avant que nous allons clôturer la prière, que le Seigneur vous bénisse pour les comptes en banque, je vous encourage. Amen. Zabé Azalara en avance à Marabounios. J'informe ma l'église qui est toujours dans l'opération achat parcelle à $0 et ma compte. Amen. Nous avons, comment dire, c'est-à-dire tous les travaux faits en ce lieu avec les baillères. Ils nous doivent au moins plus ou moins $3,000. Oyo, pour les arrêts, pas dans moi. Consigné déjà avec les maires. Donc, moi, je n'ai pas eu pour pour récupérer un mot. Donc, nous allons déverser ça déjà dans les comptes en banque. On a achat parcelle. Donc, nous partons déjà à peu près dans les $3,000. Ceux qui doivent atteindre plus de $10,000, j'ai mis mon statut, ma profession comme gage dans ma compte. Donc on peut déjà avoir un crédit bancaire. Amen. Il y a une prophétie qui nous avait été donnée que nous avons aligné tout ça à 2 ans locataire. C'était avant même que nous soyons placés. Et je crois que Dieu va accomplir cette prophétie. Lève ta main, nous allons prier. Seigneur, bénis ton peuple. Bénis-les en ces dimanches de miracles, des signes, des prodiges. Nous accompagnons tous dans notre main. Je bénis cette semaine de prières. Je bénis la journée de prières de lundi, de mercredi, de vendredi. Et que ta gloire nous environne et nous visite encore des dimanches pour la gloire de ton Seigneur. Rentre avec chacun de nous. Sois devant nous comme un guide, derrière nous comme un protecteur, tout autour de nous comme une tour forte. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce bon dimanche. Allez dans la gloire du Seigneur.